Et salut tout le monde, c'est Getaway. Nous reprenons la suite de Outlast, épisode 2. C'est parti, continuez. Alors. Ah, si je me souviens très bien, on était là. On est sorti par là. Quand il va faire vraiment noir, hein. Il fait vraiment noir ici, hein. Alors on va continuer, on va avancer. What the fuck? Putain. J'entends un mec. On va se mettre en pause sneaky pour réduire les pas de bruit. Alors, je sais pas où on devrait y aller. On va peut-être passer par là. D'accord. C'est quoi ça? Vous croyez qu'il y a un mec qui va arriver par là? Je vais essayer de me cacher. Je l'entends le mec. Ah, il arrive. Oui. Je crois qu'on peut sortir. Ah, nickel. La batterie. Est-ce qu'il a désactivé? Non, c'est bon. Je ne vais pas passer par là. Ah, je le vois. Waouh, juste devant ma gueule. Ah, prochaine porte. Aïe, recharge. Ok. Je sais même pas à quoi ça sert. C'est quoi ça? De me cacher, ok. Alors, là je suis caché. Putain. Le mec a une batte de baseball. Ah non, c'est une planche. Avec des clous. Il est parti au ciel. Non, je suis toujours là. C'est le moment de sortir, non? Ah, ok, allons-y. On va sortir. En fait, c'est quoi en fait? On démarre le groupe électrogène au sous-sol. D'accord. Donc les boutons, ça sert à redémarrer la machine, je pense. Je crois, hein. Il est où? Ah, il est là. Oh putain. Oh putain. Vite. Cache-toi. Ah putain. Oh putain, qu'est-ce que t'es moche? J'ai pas le choix de courir. Oh, je sais même pas où je vais, quoi.
Est-ce qu'il est parti? Est-ce qu'il est là? Il est où? Putain, les batteries commencent à... Ça consomme quand même. C'est abusé. Je l'entends. Et vers la gauche. Attends, on va recharger la batterie. Voilà. Il est où? On avait entendu par... Il est allé, allez là. Où je dois y aller en fait? Par là, non? Ok, on va aller par là. Ok, j'ai trouvé une batterie. J'ai fermé la porte. On sait jamais. Je sais même pas si t'as la porte, c'est ça le truc. On va loin doucement. Ok, on peut y aller par là. On peut y aller par là. Oh, nickel ça. La batterie encore. Ce jeu est vraiment stressant. Normalement stressant. Ok. Y'a personne. On prend la pile. La TV, le disjoncteur. C'est parti. Ok, ça c'est bon. Je crois que c'était un mec devant moi. Putain de merde. On tourne en arrière. Là, il y a des casiers. Je sais pas s'il va passer par là. On va se cacher, on va se cacher. On va éteindre la forme mouche. Je l'entends, il arrive. Je commence à avoir chaud là. C'est bon, non? C'est bon, y a personne. On peut y aller. Doucement, doucement, doucement. Je sais même pas où il est. Bloqué par cet abruti là. Là je commence à avoir chaud là. Je l'entends. Il arrive. Il est parti au ciel. C'est parti. C'est parti.
doucement. Putain de merde. Putain, je suis bloqué à cause de lui, quoi. Je suis en train de niquer toutes mes batteries. Tout ça à cause d'un mec. Oh putain! Dégage, dégage! Oh la vache, la vache, la vache! Je suis dans la merde! Où je vais là? T'es par là non? Ok, sauvegarde, c'est bon, c'est nickel! On se casse d'ici! Je passe par là à la sortie! On va faire là! Putain! Quoi ce bruit? J'ai entendu un mec là. What? C'est quoi ce bug? Putain de merde. Alors. Regagner le local de la sécurité. Ah, ok, faut que je regarde encore. Faut que je retourne dans le local. D'accord. Ah, ok. Oula. Oula. T'es sérieux, toi? Désolé mon fils, j'aurais aimé vous épargner ceci, mais vous ne pouvez pas partir. Pas encore, il vous reste temps à voir. Putain, la gueule que t'as en plus. Ah, mais touche pas. Pourrez-vous? Le seigneur de Valerider, déchirant les créants pour y faire entrer sa vérité. Le seul moyen de quitter cet endroit, c'est la vérité. Si vous avez accepté l'évangile, toutes les portes s'ouvriront devant vous. T'es un niqué de la tête, toi. Déjà, moi, je suis d'origine chrétien. Oui, parce que j'ai ma propre religion. Des trucs comme ça, ça n'existe surtout pas. Mais heureusement que c'est un jeu. Hein. Alors, je me réveille dans une cellule. Ok. Rest in peace. Reste en paix, je crois, non? C'est comme ça on dit en anglais. Rappelez-vous que les notes sont ajoutées à votre carnet que votre mère j'aime pas plus. Une foule de types brisés qui regardent une télé HS. On dirait des patients qui ont survécu à ce qui s'est passé ici. Mais ils ont la cervelle en compote. Ils ont la cervelle en compote, donc ça veut dire on est chez les fous, évidemment. Putain. Ah merci mec, c'est gentil. Tranquille, casse-toi, faut que t'entends. Ah mais regarde pas comme...
trop de voix, mon semi, pas plus de merde. Hé, mon gars, là, tu vas calmer, là. Ouais, dégage. Ouais, qu'est-ce que je disais, on est dans la prison des fous. Y'a quoi, si, là? Y'a rien? Ah. Même pas peur, mon gars. Wouah! Putain, la tête que t'as, frère! Oh yeah, oh yeah. Non, je vais pas y aller dedans. Qui est-ce? C'était l'homme du père Martin. I would like to kill him. As would I. The preacher asked us not to. It would be impolite. Not here. We give him a running start. There's an idea. And when we kill him, we kill him slow. Such patience. Patience, I want his time. Je veux que sa langue et son foie. They are yours. C'est pas toi. Putain, vous êtes malade. En plus, vous montrez votre. Putain. C'est que tu as mis un fantôme. Non, merci, mec. Non, merci. Trop de voix m'ont suivi. On peut plus dormir. N'y croyez pas, ils disent que c'est de la science, mais c'est faux. Ils nous attendaient. À cet endroit, Billy l'a compris. Ils ont toujours été là. Est-ce que c'est ouvert? Putain, tu m'as fait peur, toi. Ouais, c'est noir. Ah, rien d'intéressant. Ah, il y a une sortie là. Qu'est-ce qui se passe là? Putain! Qu'est-ce qu'il fait lui? Putain, lui, il m'a fait peur. Il est en train de violer un cadavre. T'es pas sérieux, mon gars. Putain, il est en train de violer un mort, le mec. Putain, c'est quoi ce jeu de dingue, quoi. On a eu peur de moi, lui, ou quoi? Oh, putain, ce bordel ici. C'est abusé. On pourrait accéder à une corniche, déplacez-vous. Ok. Putain, arrête de taper contre le mur, toi. Ouais, ouais, c'est ça. Attends, il y avait les deux mecs ici, je crois, non? Je suis sûr qu'ils vont me tomber par-dessus, tu vois. J'ai mis les traces de sang vers la sortie. Et si on peut y aller? C'est quoi encore ce bruit? Je sais pas là. Putain de merde. Si c'est quoi? C'est des cellules. Expérience.
et des rituels comme de la magie. Il m'a l'air normal, lui. Putain, il y a des bruits là. Ça fait peur. Refermez les portes derrière vous. On en tirera vos portions. Ah bah, ok. On va fermer au cas où. Hop. Laisse-moi réfléchir. Par là, j'espère. Bon. Il va m'attaquer. Il m'a vu ou quoi? Oui, d'accord. Je vais rien dire, d'accord. Par contre, m'attaque pas. Je vais juste passer par là, d'accord. Reste sage. Hein ouais. Merci. Ah, nickel. Batterie. Y a rien d'autre? Y a rien d'autre. N'attaque pas, hein. Ah, dégage toute la poubelle, là. Ok, c'est parti. C'est par là. Putain de merde. Allez, on y va, go. Ah, dégage. Les casiers. On rentre dedans. Et on attend. Vache. Tu merdes, mon écharpe. Tu ne m'écharpes pas. Par contre, les musiques. Faut se calmer, hein. Qu'est-ce qu'il va faire? Ok. Là, il s'en va. C'est le temps d'y aller. En mettant. Juste y aller doucement. Parce que le mec, il va pas nous laisser tranquille. J'entends des bruits de pas, je sais même pas si ça vient derrière moi ou... C'est ça qui me fait peur en fait. On va avancer tranquillement. Tranquillement. Oh, t'es un malade toi. Monsieur. Oui d'accord. Je dis rien monsieur. Je ne dis rien. Je vais rien dire du tout. Par contre, la porte, je la ferme. Ouais, ça doit être là. Follow the blood. Suive le sang. Non. Faut que je me cache. Faut que je me cache, on sait jamais. Alors, vous voyez, j'entends des bruits de pas. Ça va arriver. Il est là. Qu'est-ce qu'il fait? La petite souris est rentrée dans son trou. Allez, dégage. Voilà. On a un tout petit peu. Ok, c'est parti. On
pas, il fait un trou de bruit. Ah, il casse la porte. Je sais même pas d'où il est passé. Non, c'est une blague, c'est une blague, c'est une blague, c'est une blague. Il m'a même pas vu, il m'a même pas vu. Il m'a même pas vu. Il m'a pas vu. Il m'a pas vu. Allez, dégage. Putain. Oui, je sais, dégage. Attends. Que je puisse partir là, parce que... On va sortir tout de suite, comme ça on va voir ce qu'il fait. Je sais pas où il est. Je sais pas où il est. Il est derrière moi. Il est derrière moi. Ouf, c'est bon. C'est parfait. Ok. On va arrêter là pour aujourd'hui, les gens. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un like et de vous abonner. Merci beaucoup. On se retrouve pour le troisième épisode. Peut-être demain, ou sinon c'est après-demain. Bye bye.